bienvenue dans le Nuclear Ghost Investigation. Je suis Alex, je suis accompagné d'El Pitatu et de Léa. Donc cette émission, en fait, là actuellement nous nous trouvons dans un hôpital abandonné et notre but c'est de savoir s'il y a des esprits ou pas. Donc pour ça, nous avons avec nous une spirit box qui balaye les fréquences radio. Et les esprits utilisent ça pour nous parler avec nous, donc on va pouvoir l'utiliser, à moins qu'ils veulent se manifester d'eux-mêmes. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Donc c'est parti. S'il veut bien se manifester. Pouvez-vous répéter ? Nous commençons donc notre investigation et tombons déjà sur quelques bruits. Nous avons capté une première voix. Et nous essayons donc d'en savoir un peu plus sur son identité. Comment vous appelez-vous ? Quel est votre nom ? J'ai rien compris. Quel est votre nom ? Ces sons signifient-ils quelque chose pour nous ? J'avais le doute. Êtes-vous toujours avec nous ? Je vais entendre un lieu, juste au moment. Vous êtes une femme ? Êtes-vous une femme ? À ce moment-là, je capte une nouvelle voix qui est plutôt méchante. J'ai amplifié le son. Quel est votre nom ? Nous ne sommes pas les bienvenus dans cette pièce et nous décidons donc de monter au deuxième étage. À notre grande surprise, nous allons capter un son hors de la spirit box. Nous sommes seuls dans le bâtiment et le vent ne fait pas ce bruit-là. Oh, il fait nuit, je vois plus rien. Est-ce que vous pouvez vous manifester ? Manifester ? Faire un bruit quelconque ? Bouger un objet ? Retour au deuxième étage, dans une salle, je demande mon prénom. Pas de réponse, nous décidons de sortir dans ce couloir, et c'est en sortant que j'ai entendu mon prénom. Je décide donc de retenter l'expérience. Peux-tu dire mon prénom ? J'ai entendu mon prénom quand je suis sorti de la pièce. Après une après-midi passée dans cet hôpital, nous pensons qu'il serait préférable pour nous d'y retourner de préférence de nuit. N'ayant pas encore le matériel nécessaire, nous mettons donc ce projet de côté jusqu'à ce que nous ayons le matériel nécessaire et ensuite filmer tout ici de nuit avec des caméras à vision nocturne.